Thank you.
frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, bénis le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour rendre grâce au Seigneur de la vie, n'est-ce pas? Lui qui nous donne la vie, lui par qui nous sommes, lui par qui nous pouvons nous mouvoir. Nous allons, bien-aimés, juste élever nos voix vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, merci, parce que c'est par toi que nous avons la vie. Nous allons dire merci au Seigneur, bien-aimés, pour la vie qu'il nous donne. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Toi, les dieux de la vie, toi, les dieux de la grâce, toi, les dieux de la faveur, Maître du ciel et de la terre, merci pour la vie des dieux Zoé. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour la vie. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton amour. Merci Éternel notre Dieu pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci cher Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci cher Saint-Esprit pour la vie. Merci cher Saint-Esprit pour ton amour au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, d'étendre ta main de grâce dans nos vies au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous assiste, n'est-ce pas, bien-aimé, dans ce programme de prière au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bienvenue dans le Seigneur. Demandons, n'est-ce pas, bien-aimé, le secours du Saint-Esprit. Alléluia. Toi, l'Esprit. Oh, toi l'Esprit de grâce, toi l'Esprit de faveur, nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta faveur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta fidélité. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta bonté. Merci, cher Saint-Esprit, de nous combler de ta vie à toi, au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. L'Esprit de grâce, l'Esprit de louange, l'Esprit de faveur, l'Esprit d'adoration. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ces programmes de prière. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, ô éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta faveur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta puissance. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta fidélité. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta bonté. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tous celui qui croit. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, l'Esprit de victoire, l'Esprit de louange, l'Esprit d'adoration, l'Esprit de paix, l'Esprit de miséricorde. Saint-Esprit, conduis-nous dans ce programme de prière au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur, de venir ce temps, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers, au nom de Jésus. Bénis ce temps. Saint-Esprit, conduis-nous au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, qu'il nous fasse du bien. Voyez-vous, bienvenue dans le Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier, bienvenue dans le Seigneur, pour ce soir, encore une fois de plus, que bienvenue dans le Seigneur, Dieu, pour un nouveau décollage. Voyez, n'est-ce pas, bienvenue? Nouveau départ, n'est-ce pas, dans une nouvelle année, mais ça c'est la prière pour un nouveau décollage, un nouvel envol, alléluia, nouveau décollage, un nouvel envol, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous savons, bien-aimé, nous commençons une nouvelle année, bien-aimé, c'est un, nous devons, bien-aimé, prendre un nouveau départ, un nouveau décollage, alléluia. Le décollage, bien-aimé, c'est l'action de décoller, l'action, bien-aimé, de quitter le sol, hein. Voilà, bien-aimé, l'action de quitter le sol vient dans le Seigneur. L'action de quitter soit la surface de l'eau. Alléluia. Les ponts d'envol, n'est-ce pas, ou d'un porte-avion, ou de quitter les ponts d'envol d'un porte-avion. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, donc, c'est... Parfois, bien-aimé, on peut avoir un décollage difficile. Parfois, bien-aimé, soit on peut avoir un décollage assisté. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous avons un décollage assisté. Nous ne voulons pas décoller par nous-mêmes.
C'est un décollage, bien-aimé, assisté, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est un décollage assisté avec Dieu. Je dis bien, c'est un décollage assisté avec l'aide de Dieu. Nous n'allons pas décoller de nous-mêmes, avec l'aide de Dieu. Voyez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, voilà pourquoi nous avons dit, bien-aimé, dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, le verset 5, « Jésus, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimé dans le Seigneur, là, c'est sans appel. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons décoller quoi que ce soit dans notre bien-aimé sans Jésus. Alléluia. Sans Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, c'est clair, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à pérorer, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien espérer sans Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Nous comptons sur le dans tout ce que nous faisons, bien-aimé. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, faire toutes choses avec Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous parlons, bien-aimé, d'un nouveau décollage. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, sans ce décollage-là, bien-aimé, c'est sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Un nouveau décollage pour cette année qui commence, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons, bien-aimé, n'est-ce pas, bien-aimé, décoller avec Jésus. Bien-aimé, nous voulons quitter, nous quittons l'année, bien-aimé dans le Seigneur. L'année, n'est-ce pas, nous quittons, bien-aimé dans le Seigneur, l'année 2021. Nous commençons cette année, bien-aimé, 2022, bien-aimé. Nous commençons, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, en quittant, bien-aimé dans le Seigneur, le premier mois, n'est-ce pas, le premier mois, bien-aimé dans le Seigneur, de l'année 2022, bien-aimé dans le Seigneur. Nous quittons, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, en comptant sur le Seigneur. En comptant avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de Dieu. Nous ne voulons pas décoller de nous-mêmes. D'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », nous réalisons, bien-aimé dans le Seigneur, combien il est important que nous puissions compter sur le Seigneur. Alléluia! Bien-aimé, nous puissions compter sur le Seigneur. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui doit nous éclairer dans les moindres détails de nos vies. Nous comptons sur sa lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Si l'année dernière a été peut-être compliquée, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, ça a été peut-être compliqué, les années écoulées, bien-aimé dans le Seigneur. C'était difficile, c'est possible. Mais cette fois-ci, bien-aimé, l'année 2022, bien-aimé, nous décollons avec Dieu. Nous démarrons avec Dieu, nous prenons l'envol avec Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit clairement, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous pouvons compter sur lui. Dans ce que nous faisons, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme les enfants d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ne pouvaient jamais décoller sans Dieu. Je vous l'ai montré tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, que la nuée leur donnait les tempos ou la colonne de feu. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur les tabernacles. Donc, il n'y avait pas de décollage sans Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous décollons cette année, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons décoller avec Dieu. Il n'y avait pas de décollage sans Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que quand il commençait, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, un voyage, il l'achevait avec Dieu, avec eux. C'est la nuée qui s'élevait. Il suivait la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, bien-aimé, il s'arrêtait, bien-aimé, là où la nuée. C'est là qu'il campait. Donc, ça veut dire qu'il ne pouvait pas décoller sans Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un nouveau décollage. Nous décollons avec Dieu. Eh bien, nous allons atterrir aussi avec Dieu. L'année 2022, nous allons atterrir avec Dieu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Et il me dit, c'est fait.
Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, les débuts, n'est-ce pas? Les commencements et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Je suis l'alpha et l'oméga. Les commencements et la fin. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons, bien espoir, sans ce décollage, compter sur le Seigneur. Alléluia. Nous comptons, bien-aimés, sur la puissance du Saint-Esprit pour décoller d'abord. Alléluia. Regardez. C'est pourquoi il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons tout dans cette année 2022, n'est-ce pas, bien-aimés, par le Seigneur. Je puis tout. Oh là là. Bien-aimés, ces versets m'ont toujours troublé, hein, personnellement. Je puis tout. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est très fort. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc même, nous sommes capables de tout. Alléluia. Je puis tout. Ouais, venez dans le Seigneur. Donc, c'est que notre capacité nous vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre capacité, c'est-à-dire que la capacité de décoller nous vient de Dieu. Dans tout ce que nous aurons comme projet, bien-aimé, comptons sur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous comptons sur Dieu. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons compter sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre capacité, bien-aimés, nous vient de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas, un nouveau décollage avec Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul disait, n'est-ce pas? Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, un nouveau décollage avec Dieu. Non, nous devons compter sur Dieu. Cette année, n'est-ce pas, dans tout ce que tu fais, bien-aimé, compte sur Dieu. Dans ton ménage, dans ton mariage, dans tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à compter sur Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, non. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ne compte pas sur ta beauté. Ne compte pas sur ta gentillesse. Ne compte pas sur, parce que dans notre famille, les hommes ne quittent jamais les femmes. Ou ne compte pas sur ça. Tu te trompes. Notre capacité vient de Dieu. Tu dois compter sur Dieu. Tu dois compter sur, même au niveau de ta santé, tu dois compter sur Dieu. Au niveau de tes enfants, dans leurs études, tu dois compter, dis Seigneur, je sais que la capacité que mes enfants, oh ma fille, je lui fais confiance, hein. Ma fille, elle, de ce côté-là, oh mon fils, lui, de ce côté-là, je peux fermer même les yeux. Non, tu te trompes. Alléluia, tu te trompes, ça vient de Dieu. C'est pourquoi tu as dit, Seigneur, je prie cette année que tout nous vient de toi. Il a dit, je puis tout par celui qui me... Donc c'est Dieu. Il dit, Seigneur, merci pour ce que... Continue encore à donner, n'est-ce pas, les caractères à mon fils, du caractère à ma fille, qu'elle puisse encore résister, qu'elle puisse tenir. Ne fais pas confiance à toi-même, ne fais pas confiance à ta fille, à ton fils, ne fais pas confiance à ton mari, tu seras déçu. Ne fais pas confiance à ta femme, tu seras déçu, bien-aimé dans le Seigneur. Notre capacité nous vient de Dieu. La capacité de résister, n'est-ce pas, face aux tentations, ça nous vient de Dieu. Alléluia. Tu dois changer ta manière de voir les choses cette année. Un nouveau décollage, mais avec Dieu. Je dis bien avec Dieu. Oh, je fais des programmes. En tout cas, cette année, j'ai pris des décisions. Non, avec Dieu. En tout cas, cette année, j'ai écrit toutes mes décisions que j'ai prises cette année. En tout cas, j'ai fait faire ça. C'est vraiment, c'est de nouvelles décisions. Oui, mais avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, bénis dans le Seigneur. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, bienvenue dans le Seigneur. C'est comme un avion. Un avion ne peut pas aller n'importe quoi. Le parcours est déjà défini, bienvenue dans le Seigneur. Ou même un train, hein. Un train, bienvenue dans le Seigneur. Le train, lorsqu'il est sur le rail, l'exemple, le bon, un exemple, c'est le train. Lorsque le train est sur le rail, bienvenue, il ne peut pas aller dévier pour aller sur un autre chemin. Non, 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 non. À moins qu'on le dévie. Le train ne peut aller ni à gauche, ni à droite. Le train prend la direction qu'on lui donne. Ici, chez nous, en Belgique, quand il quitte
Liège pour aller à Bruxelles. Nous sommes dans la région de Liège, bien aimé. C'est Bruxelles, tout droit. Bruxelles, Bruxelles. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne peut pas, le train ne peut pas venir sauter, même s'il y a, il y a un mur devant. Il ne peut pas sauter si quelqu'un se met devant. Mais allez, il écrase la personne. Il passe. Bénis dans le Seigneur. Donc, c'est pour dire, bénis dans le Seigneur, ne compte pas sur tes propres capacités. Mais nous sommes limités, humainement parlant. Mais nous sommes limités, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette année, n'est-ce pas, bien-aimés, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Nous devons compter sur la... Compte sur la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, je compte sur ta grâce. Je ne veux pas compter sur moi-même. Je ne veux pas compter sur mes capacités, Seigneur. Je compte sur ta grâce, Seigneur. Je compte ta grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Comptons sur la grâce de Dieu. Alléluia. Compte sur la grâce de Dieu, dit le Seigneur. Cette année, je compte sur ta grâce. Bien-aimés, tu peux compter sur la grâce de Dieu. Je vous assure, bien-aimés, comptons sur la grâce de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, la grâce de Dieu. Alors, ne te glorifie pas. Qu'as-tu, n'es-tu pas reçu? Ne te glorifie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'as-tu, n'es-tu pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Alléluia. Qu'as-tu, n'es-tu pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Écoutez ce que l'apôtre Paul disait l'autre fois. Écoutez bien. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Extraordinaire. Il comprend que voilà, tout ce que je fais, tout ce que je puis faire, je suis malade, je prie, Seigneur, guéris. Dieu me dit, non, laisse tomber cette affaire-là. Sers-moi. Même en étant malade, tu me serviras avec beaucoup plus de puissance. Seigneur, mais je suis faible dans mon corps parce que je suis malade. Regarde, avec ça me gêne de faire ça. C'est dit, ah, ne t'inquiète pas. Tu arriveras à faire des choses plus que même ce que tu faisais avant. Donc ne regarde pas ce que tu as. C'est pourquoi tu sois seulement humble. Tu reconnais, n'est-ce pas? Alléluia, tout ce que tu es, c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur, un nouveau décollage, n'est-ce pas, avec Dieu, c'est de comprendre que cette année, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons bien-aimé être, nous devons compter sur Dieu. Et si nous arrivons à réaliser certaines choses, n'est-ce pas, disons, Seigneur, merci. Parce que c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, n'a rien, comme j'ai donné l'exemple, n'est-ce pas, du train. L'ennemi ne peut pas résister. S'il se met sur le chemin dans le Seigneur, allez! Parce que, bien-aimé, c'est Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes propulsés par Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas toi. Alléluia. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Ma grâce te suffit. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Alléluia. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. On ne va pas tellement beaucoup prier ce soir. Alléluia. On va seulement dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce, pour cette année qui vient de commencer. Seigneur, je compte sur ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Fais-moi grâce dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Je compte sur ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, dans ton ménage, avec tes enfants, bien-aimé, dans tes projets, n'est-ce pas, dans tes finances. Bien-aimé. Seigneur, ma grâce, je compte sur ta grâce cette année, Seigneur. Fais-moi grâce pour cette année. Alléluia, dans ce nouveau décollage, Seigneur, fais-moi grâce dans ce nouveau décollage. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia, commence à venir le Seigneur pour sa grâce. Dis-le, Seigneur, merci pour ta grâce. Et dis-le, Seigneur, fais-moi grâce. Fais grâce à mes enfants. Fais grâce, Seigneur, notre Dieu, à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, je compte sur ta grâce. Alléluia, le nouveau décollage, je compte sur toi, Seigneur. Alléluia, commence à venir le Seigneur pour sa grâce. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, merci pour ta grâce. Commence à bénir le Seigneur pour ça. Commence à le bénir, n'est-ce pas? Commence à bénir le Seigneur pour sa grâce, bénis dans le Seigneur. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, merci. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci, merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci, éternel notre Dieu, pour ta grâce dans ma vie, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous comptons sur ta grâce. Dieu tout-puissant, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta grâce. Au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de grâce, seule ta grâce, Seigneur, seule ta grâce. Seigneur, seule ta grâce, Seigneur, nous comptons sur ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur, fais-moi grâce, tendre Père. Dans tout ce que je pourrais faire cette année, tendre Père, je compte sur ta grâce au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, je compte sur ta grâce. Maître du ciel et de la terre, je puis compter sur toi encore ce soir. Je puis compter sur toi encore cette année. Dieu Tout-Puissant, je compte sur ta grâce dans les moindres détails de ma vie. Je vais compter sur ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur, nous comptons sur sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, ta grâce nous suffit. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous remplisse, n'est-ce pas, et dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Je puis tout pas. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est vrai, sa grâce est là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur notre Dieu, Jésus, ta présence, Seigneur, je compte sur toi. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, Jésus, je compte sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons encore prier encore une fois de plus pour dire Saint-Esprit, alléluia, alléluia, remplis ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit, remplis ma vie, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit, alléluia. Bien-aimé, commence à prier, Saint-Esprit, remplis-moi pour toute cette année 2022. J'ai besoin de ta plénitude, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ta puissance. Saint-Esprit, remplis ma vie, bien-aimé. Demande, n'est-ce pas, la plénitude du Saint-Esprit. Ô Esprit de grâce et de faveur, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir ma vie, remplis ma vie. Saint-Esprit, au puissant de Jésus, remplis ma vie, cher Saint-Esprit, remplis ma vie dans tous mes projets. J'ai besoin de ta présence, remplis ma vie. Conduis-moi, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Inonde-moi, inonde-moi, inonde mon frère, inonde ma soeur, inonde mon épouse, inonde nous, cher Saint-Esprit, inonde nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Toi, l'esprit de victoire, toi, l'esprit de grâce, toi, l'esprit de faveur, toi, l'esprit de louange. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Viens inonder nos vies, s'il te plaît. Cher Saint-Esprit, viens inonder nos vies. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. L'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange d'adoration. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, viens inonder nos vies, viens combler nos vies de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te voulons de tout cœur. Cher Saint-Esprit, nous te voulons de tout cœur. Nous voulons ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Nous voulons ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Inonde nos vies de ta présence au nom puissant de Jésus. Inonde nos vies de toi. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, inonde nos vies. Inonde nos vies de toi. Inonde nos vies de ta présence au nom puissant de Jésus. L'esprit de vérité, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration, l'esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, viens nous inonder de ta présence. Viens nous combler de toi. Toi, l'esprit
l'esprit de vérité, toi l'esprit de louange, toi l'esprit d'adoration. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange. Cher Saint-Esprit, nous te voulons de tout cœur. Merci de nous combler, merci de nous remplir de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de nous combler de toi. Merci, cher Saint-Esprit, de nous remplir de ta présence au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te voulons, cher Saint-Esprit. Nous te voulons, toi, l'esprit de vérité, toi, l'esprit de grâce et de faveur, toi, l'esprit de louange et d'adoration. Saint-Esprit, nous te voulons de tout cœur. Inonde nos vies, remplis nos vies, cher Saint-Esprit. Au nom que ta présence soit réelle et manifeste dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous allons faire. Saint-Esprit, merci de nous accompagner dans nos projets, dans nos choix, dans nos décisions. Saint-Esprit, merci d'être avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te voulons de tout cœur, cher Saint-Esprit. Alléluia. Glorifie le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu tout-puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons venir prier, n'est-ce pas? Nous allons venir, tu vas maintenant prier pour ici notre Dieu. Que toute opposition, alléluia, à mes projets, que toute opposition, n'est-ce pas, à mon décollage, alléluia, soit neutralisée complètement au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Il ne vient que pour voler, gorger, détruire. Bien-aimé. C'est ça son travail. Bien-aimé. Il vient, bien-aimé, il vient s'opposer d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que toi, tu es en train de chercher, n'est-ce pas, bien-aimé, cet envol, n'est-ce pas, bien-aimé, l'ennemi aussi s'élève. Bien-aimé, il s'élève avec la maladie. Pour injecter la maladie. Il s'élève, bien-aimé, dans le Seigneur pour injecter les échecs. Il s'élève, bien-aimé, pour injecter la pauvreté. Il s'élève, bien-aimé, pour injecter bien-aimé, le trouble, les désordres. Les inimitiés, n'est-ce pas, de tout genre. Bien-aimé, il s'élève, n'est-ce pas, avec les oppositions de tout genre. Bien-aimé, tu vas prier pour lui, notre Dieu. C'est un tendre Père. Que toute opposition, alléluia, soit brisée, soit. Je m'élève contre toute opposition occulte. Toute opposition, n'est-ce pas, mais alléluia, due aux esprits, aux démons. Toute opposition de la sorcellerie. Je me dresse contre toute opposition au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans l'océan, tu vas t'élever, n'est-ce pas, bien-aimé. Tu vas briser toute opposition occulte. Toute opposition due à la sorcellerie. Toute opposition du Esma. Toute opposition démoniaque. Toute opposition maléfique soit brisée. Toute opposition sorcellerie soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Mais nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Que toute opposition, n'est-ce pas, à notre décollage cette année. Que toute opposition à notre envol, alléluia, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Mais tu vas briser toute opposition maléfique, toute opposition occulte, toute opposition sorcellerie. Tu vas briser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, bien, brise toute opposition dans tous les domaines de ta vie. Tendre Père, je proclame ta victoire. Je me dresse contre toute opposition occulte au nom puissant de Jésus. Je viens briser toute opposition occulte, tendre Père, dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je brise toute opposition maléfique au nom de Jésus. Que toute opposition soit neutralisée, tendre Père. Alléluia. Par le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Jésus-Christ, roi des gloires, ta présence soit réelle et manifeste. Car tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Que tout genou fléchisse devant ton nom. Devant ton nom, en cette année 2022, que tout genou fléchisse devant ton nom, parce que j'ai ta présence, parce que je porte ton nom, Jésus-Christ, roi de gloire, que tout genou fléchisse au nom de Jésus. Je me dresse contre toute opposition maléfique, je me dresse contre toute opposition occulte, au nom puissant de Jésus. Je viens briser toute opposition démoniaque, tendre Père, à mon ministère, à ma vie, à ma famille, à tes projets dans ma vie, tendre Père, dans ma vie, je viens briser toute opposition occulte, au nom puissant de Jésus. Et ton autre Dieu, je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je marche sur les crocodiles. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je marche sur les crocodiles. Je marche sur les crocodiles. Au nom puissant de tendre Père, je marche sur toute puissance maléfique, sur toute puissance occulte, à mon envol. Tendre Père, alléluia, à mon envol, à mon décollage, que toute opposition soit neutralisée, soit brisée. Au nom puissant de Jésus, toute opposition, tendre Père, à l'envol, au décollage de mon frère, au décollage de ma soeur, que toute opposition soit brisée, soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toute opposition de collage soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Je proclame ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Que toute opposition
que son culte soit brisé, soit neutralisé. Au nom puissant de Jésus, je proclame ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Je brise toute opposition au culte au nom de Jésus. Tendre paix, toute opposition à ma santé soit neutralisée, soit brisée. Toute opposition, tendre paix, à mes finances soit brisée, soit neutralisée. Toute opposition, c'est notre Dieu. À haut décollage, dans mes finances soit brisée, soit neutralisée. Toute opposition, tendre paix, au décollage, c'est notre Dieu. Au niveau de ma santé, soit brisée, soit neutralisée. Toute opposition, tendre paix, au décollage, au niveau, c'est notre Dieu, de mon ministère, que toute opposition soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, je neutralise toute opposition. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, que toute opposition, c'est notre Dieu. Au décollage, c'est notre Dieu. Dans les domaines financiers, soit brisé, soit neutralisé. Toute opposition, notre Dieu. Au décollage, c'est notre Dieu. Dans mon ménage, que toute opposition soit brisée. Au nom puissant de Jésus, je brise toute opposition, c'est notre Dieu. Au décollage, dans mon ménage, soit brisé, soit neutralisé. Toute opposition, au décollage, c'est notre Dieu. Dans des relations autour de moi, soit brisé, soit neutralisé. Je brise toute opposition au décollage dans tous les domaines de ma vie. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, s'il te plaît, remplis-moi. Seigneur notre Dieu, alléluia. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire dans ma vie, dans mes projets. Au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Lève-toi, c'est notre Dieu, dans la vie de mon frère. C'est notre Dieu. Je me dresse contre tout échec sur le plan financier. Tout échec, c'est notre Dieu. Alléluia. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan, c'est notre Dieu, sur le plan, que tout échec soit neutralisé, soit brisé. Je me dresse contre toute pauvreté. Je brise la pauvreté. Je brise la pauvreté. Je brise toute forme de pauvreté. Au nom puissant de Dieu Tout-Puissant, je proclame ta victoire au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, que ton règne vienne dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, nous nous levons contre toute opposition. C'est notre Dieu, au décollage dans notre vie, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout puissant, je brise les œuvres de la sorcellerie et toutes leurs manifestations contre nos vies et contre nos familles, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans sa famille, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Je brise tout puissant de la sorcellerie, toute opposition à la sorcellerie soit brisée, soit neutralisée. Tendre paix, toute opposition, c'est notre Dieu, à la sorcellerie soit brisée, soit neutralisée. Au nom de Jésus, dans mes finances, dans mes projets, dans mon ministère, c'est notre Dieu, merci pour ta victoire. Éternel notre Dieu, merci, merci, grand roi de l'univers. Nous nous levons contre tout esprit de vol, tout esprit de destruction. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de vol, tout esprit de destruction, tendre paix, tout esprit de mort, soit brisé, soit neutralisé. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Ô éternel notre Dieu, lève-toi. Seigneur, lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté, alléluia, te reviennent, toi, le grand roi. Tu es digne d'être loué, d'être célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Seigneur notre Dieu, merci. Glorifie ton nom puissant de Jésus-Christ. Bien dans le Seigneur. Maintenant, tu vas prier pour lui, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te détacher, n'est-ce pas? Décollage, on se détache du sol pour prendre l'envol. Bien-aimé, tu vas te détacher, n'est-ce pas? Bien-aimé. Détache, tu vois, Seigneur. Je me détache des expériences passées. Alléluia. Les événements malheureux. Antérieur, je me détache de la malédiction, je me détache des événements passés, des mauvais événements que j'ai vécu, je me détache de ça au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, détache-moi par la puissance du Saint-Esprit. Dis, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est en bien, mais tu vas te détacher maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je me détache des mauvaises expériences, des mauvais souvenirs. Je me détache des mauvais souvenirs. Je me détache des mauvaises expériences. Je me détache des mauvais événements, des mauvais événements que j'ai vécu. Je me détache au puissant de Jésus. Seigneur, maintenant là, alléluia, je considère maintenant, alléluia, les bonnes choses. C'est l'envol maintenant avec Dieu. Non, l'horizon. Nos yeux sont fixés, n'est-ce pas, bien, à l'horizon. Alléluia. Mais tu vas te détacher, bien dans le Seigneur, des malédictions, des échecs, des maladies, de la pauvreté. Mais tu vas briser les liens. Alléluia. Les liens d'échecs, les liens de pauvreté, les liens de misère, les liens de malheur, les liens de souffrance. Mais tu vas te détacher, déconnecte-toi, bien dans le Seigneur. Alléluia. Des mauvaises expériences, des événements passés, bien aimé. Alléluia. Déconnecte-toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas, bien aimé, pour te déconnecter.
au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, proclamons trois fois. Jésus est Seigneur, un, deux, trois. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu tout puissant. Nous élevons nos voix vers toi, Dieu tout puissant. Merci pour ta victoire. Nous voici encore, Seigneur, notre Dieu, ce soir. Nous nous déconnectons, tendre paix, des mauvais événements. Nous déconnectons, tendre paix, des événements passés. Alléluia. Nous voulons plus considérer ce qui est ancien. Nous voulons, tendre paix, nous fixer vers toi. Parce que le décollage, c'est notre Dieu, c'est quitter le sol. Quitter le sol est à notre Dieu. Nous quittons le sol sans pour autant regarder en arrière. Dieu tout puissant, nous décollons. Nous ne voulons pas regarder en arrière. Nous ne voulons pas penser à ce qui était passé. C'est notre Dieu. Nous ne voulons plus revenir au mauvais souvenir, le souvenir du passé. C'est notre Dieu. Merci. Nous déconnectons des souvenirs du passé. Nous nous déconnectons des expériences malheureuses. Nous nous déconnectons, tendre paix. Alléluia. Des mauvaises expériences au nom puissant de Jésus. Nous nous déconnectons, c'est notre Dieu, des mauvais événements que nous avons vécu dans les années antérieures. Nous nous déconnectons de ces mauvais événements au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire. Dieu tout puissant, nous ne voulons plus considérer ce qui était passé. Alléluia. Nous ne voulons plus considérer, c'est notre Dieu, les échecs. Je ne veux plus considérer les échecs du passé au nom puissant de Jésus. Je ne veux plus considérer, c'est notre Dieu, les souffrances du passé. Je ne veux plus considérer, c'est notre Dieu, la pauvreté, la misère, les malheurs. Je ne veux plus considérer ce qui était passé de mauvais au nom puissant de Jésus. Maintenant, mes yeux sont fixés sur toi. Je fixe mes yeux sur toi. Je fixe mes yeux sur toi. Alléluia. Dieu tout puissant, merci, grand roi d'élevé. Mes yeux sont fixés sur toi au nom puissant de Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi, ô éternel notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, 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 grand roi de l'univers. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, c'est notre Dieu. Je me déconnecte. Je brise les liens de la pauvreté, les liens de la misère. Je brise les liens de malédiction dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je viens briser les liens de malédiction au nom puissant de Jésus. Je viens briser les liens de pauvreté au nom de Jésus. Je viens briser les liens de malheur au nom de Jésus. Les liens de souffrance au nom de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci. Merci, grand roi de l'univers. Et alléluia, glorifie ton nom dans nos vies, alléluia, dans nos projets, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci pour ta victoire, merci pour ton règne, merci éternel notre Dieu pour ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi grand roi de l'univers, lève-toi éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, merci, merci grand roi de l'univers, merci éternel Dieu tout-puissant, merci éternel Dieu tout-puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, Christ, alléluia, Dieu tout-puissant, merci, merci, c'est notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce. Ô éternel notre Dieu, merci, merci, grand roi de l'univers, merci, éternel notre Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur, alléluia. Nous avons besoin de briser les liens, n'est-ce pas, bien-aimé? Que tous ces liens soient brisés, soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons, bien-aimé dans le Seigneur, compter sur le Seigneur. Nous voulons, bien-aimé, fixer nos yeux sur le Seigneur. Nous voulons, bien-aimé, fixer nos yeux, bien-aimé dans le Seigneur, sur le Seigneur. Fixer nos yeux sur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous voulons fixer nos yeux sur le Seigneur. Dans le moindre temps, n'est-ce pas, de nos vies, nous voulons fixer nos yeux sur le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous voulons venir fixer nos yeux sur Jésus-Christ, roi des gloires. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. L'apôtre Paul disait, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Bienvenue dans le Seigneur. Nous voulons maintenant ce qui est en avant, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Bénis dans le Seigneur. Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Bénis dans le Seigneur. Nous voulons faire toutes choses avec un objectif cette année. Mais que nos yeux soient fixés sur le Seigneur, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, maintenant cette année, je vais fixer mes yeux sur toi. Dans tout ce que je fais, que mes yeux soient fixés sur toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Commence à lever la voix. Seigneur, merci.
Saint-Esprit, aide-moi à fixer mes yeux sur le Seigneur dans tout ce que je fais. Bien-aimé, commence à prier, n'est-ce pas? Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide mon frère, aide-nous, Saint-Esprit, à fixer nos yeux sur le Seigneur dans tout ce que nous faisons, nos puissants de Jésus. Nous voulons fixer nos yeux sur le Seigneur. Nous ne voulons pas fixer nos yeux sur nous-mêmes, mais nous voulons fixer nos yeux sur le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, aide-nous, c'est notre Dieu. Alléluia. À faire les choses avec objectif, c'est-à-dire que je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Tendre Père, nous ne voulons pas courir en vain. Nous ne voulons courir, c'est notre Dieu, vers l'objectif. Nous ne voulons pas atteindre l'objectif que toi tu nous as assigné. Nous voulons atteindre nos objectifs, Seigneur, selon toi, au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Nous voulons, Seigneur, de courir avec objectif. Nous voulons faire les choses avec objectif, avec but, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, de faire des choses sans pour autant que nous puissions, Seigneur, Dieu, alléluia, avoir un objectif quelque part. Nous voulons avoir, Seigneur, Dieu, les yeux fixés sur toi, Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce. Nous voulons fixer nos yeux sur toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, alléluia, c'est toi notre, alléluia, c'est toi notre prix, c'est toi notre prix, c'est toi notre objectif principal, c'est toi que nous voulons saisir dans tout ce que nous faisons, Jésus, c'est toi, Seigneur Jésus, c'est toi notre objectif, c'est toi notre couronne, Jésus, c'est toi que nous voulons, cette année 2022, nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi, nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus, aide-nous à courir vers les buts, avoir les yeux fixés sur toi et non sur autre chose, au nom puissant de Jésus, oubliant ce qui est en arrière, que nos yeux soient fixés sur toi, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci de nous aider à avoir les yeux fixés sur toi dans les moindres détails de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, lève-toi, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci, éternel notre Dieu. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Bienvenue dans le Seigneur. Je vais maintenant prier pour dire, Seigneur notre Dieu, viens à mon aide. Bienvenue dans le Seigneur, il est le commencement, n'est-ce pas? On a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, bien-aimé? Il est le commencement, la fin de toutes choses. Il fait toutes choses nouvelles. Tu vas dire, Seigneur, je compte sur ton aide. Je compte sur ton aide, Seigneur. Alléluia, je compte sur toi. Je compte sur toi. Alléluia. Que tu sois le commencement et la fin de tous mes projets pour cette année 2022. Je compte sur toi. Que chaque chose que je commencerai, que je commence avec toi, que je chève avec toi. Je compte sur toi pour achever l'année 2022. Je compte sur toi pour achever mes projets. Je compte sur toi pour achever le mois de cette année. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Je compte sur toi pour achever tous ces mois. Je compte sur toi pour achever chaque jour du mois et chaque semaine du mois. Je compte sur toi pour achever la première semaine du mois, la première semaine du mois, la deuxième semaine du mois, la troisième semaine, la quatrième semaine. Je compte sur toi pour achever chaque jour de la semaine, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième jour. Je compte sur toi pour achever chaque heure du jour. Alléluia, de la journée. C'est-à-dire une heure, deux heures jusqu'à 24 heures. Je compte sur toi pour achever chaque minute de l'heure. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous voulons compter sur Dieu. Seigneur, c'est toi qui es notre aide. Nous voulons compter sur toi. Que lorsque nous commençons avec toi, nous puissions achever avec toi. Commence à lever la voix, bien-aimé. Commence à dire, Seigneur, je vais compter sur toi dans tout ce que je fais, dans tous mes projets, Seigneur. Je vais compter sur toi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous voulons compter sur toi, éternel, notre Dieu. Je veux compter sur toi dans les moindres détails de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je compte sur toi, au nom puissant. Glorifie ton nom dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je compte sur toi, au nom puissant de Jésus. Mon frère compte sur toi. Ma soeur compte sur toi. Nous comptons sur toi, éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Nous comptons sur toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous comptons sur toi, Maître du ciel et de la terre, dans les moindres détails de ma vie. Que tu sois, alléluia, les débuts et la fin de toutes choses. Que je commence avec toi, que j'achève avec toi. Que tous les jours, c'est notre Dieu. Que je commence la journée avec toi, que je l'achève avec toi. Que je commence, notre Dieu, chaque heure avec toi, que j'achève chaque heure avec toi. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, c'est notre Dieu. Ma soeur éternelle, notre Dieu, que nous puissions commencer chaque détail, chaque aspect de nos vies avec toi, que nous puissions achever avec toi, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta victoire, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Bien-aimé, le Seigneur, nous voulons bien aimer commencer avec lui. Je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'éternel. Nous voulons bien commencer cette année avec lui, nous voulons l'achever, nous refusons la mort. Mais tu vas refuser la mort dans ta famille, bien-aimé, le Seigneur. Alléluia. Il paraît que ça a coupé.
Regarde. Non, ça n'a pas coupé. Est-ce que ça a coupé? Est-ce qu'il y a Maman Elisabeth me dit que ça a coupé. Est-ce que ça a coupé? Dites-moi oui ou non, comme ça on sait comment. Est-ce que ça a coupé? S'il vous plaît. Non. Maman Elisabeth, peut-être c'est de votre côté, regardez un peu. Voilà. Non, nous ne voulons pas que quelqu'un. Mais nous ne voulons pas rater la prière de l'océan. Nous ne voulons pas rater. Ça va, Maman Elisabeth? Vous vous retrouvez, ça va? J'entends que Maman Elisabeth me réponde. Est-ce que ça coupe chez vous, Maman Elisabeth? Chez les autres, ça va, ils ont dit que ça n'a pas coupé. Bon, j'espère qu'elle va se reconnecter. Peut-être si elle est coupée, peut-être c'est au niveau de chez elle. Voilà, nous allons élever nos voix bénédictions, nous allons venir prier pour briser la puissance de la mort. Lève-toi, tu vas briser la puissance, tu vas dire, Seigneur, je refuse la mort. La mort ici, c'est non seulement la mort physique, mais même la mort spirituelle, même la mort, bien aimé, dans tous les domaines, tu refuses la mort. Tu vas briser, bien-aimé, la mort. Tu vas briser la puissance de la mort. Tu vas proclamer la vie. Et en même temps, bien-aimé, tu vas t'élever contre les esprits des cimetières, les esprits de mort. Tu vas briser la puissance de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Proclamons, bien-aimé, 3 fois, Jésus est vivant. 1, 2, 3, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est le Dieu tout-puissant. Nous proclamons ta victoire. Nous déclarons que tu es le Dieu vivant. Nous nous levons contre la puissance de la mort. C'est un étendre, Père. Nous voulons nous décollons avec toi. Voilà pourquoi nous nous levons contre la mort. Notre Seigneur, notre Dieu. Nous brisons la puissance de la mort. Nous nous levons contre la mort. Qu'elle soit la mort physique, qu'elle soit la mort spirituelle, qu'elle soit la mort dans tous les domaines de nos vies. Nous nous levons contre la puissance de la mort. Je me dresse contre les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer. Que ces esprits soient brisés, soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de louange, les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Je proclame ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, laisse-moi célébrer la grandeur de ton Saint-Nom. Je te bénis, grand roi de l'univers. Je te loue, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait, au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons la mort. Tendre Père, que la puissance de la mort soit brisée, soit neutralisée. Je brise la puissance de la mort. Je me dresse contre la puissance et la puissance maléfique sur notre Dieu qui ouvre, c'est notre qui amène la mort. Je me dresse contre les esprits des morts. Je brise les esprits des morts. Je le lis, tendre Père, parce qu'il est écrit dans ta parole, tout ce qui est lié sur terre sera lié au ciel. Je lis les esprits des morts qu'ils retournent dans l'eau. Au milieu d'origine, au nom de Jésus. Je les envoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Je brise les esprits des morts. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je viens briser la puissance de la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je brise la puissance de la mort. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les Dieu de victoire, lève-toi dans chaque détail, dans chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus, je brise la puissance de la mort. Je viens briser la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos familles respectives. Nous nous levons contre la puissance de la mort. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton règne. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, les dieux de la vie, les dieux de la grâce, les dieux de la faveur, nous nous levons contre l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta victoire. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Alléluia, bénis dans le Seigneur. Nous allons venir prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu bénisse dans le Seigneur. Alléluia, renouvelle toutes choses en nous. Que Dieu renouvelle. Mais nous allons venir prier pour le renouvellement de toutes choses. La restauration, bien-aimé, que Dieu restaure. Mais nous allons proclamer la puissance de la restauration dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, restaure, Seigneur, chaque détail, tout ce que l'ennemi avait détruit, Seigneur, restaure.
Et tu vas proclamer la puissance de la restauration, la puissance du renouveau, de la résurrection au puissant de Jésus. Allez, élève la voix, n'est-ce pas? Commence à proclamer la puissance de la restauration, de la délivrance. Tendre Père, je proclame la puissance de la restauration au puissant de Jésus. Viens restaurer ton notre Dieu. La restauration, la guérison au nom de Jésus. Je proclame la puissance de la restauration, de la guérison dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je proclame la puissance de la restauration, de la guérison au nom de Jésus. Je proclame la restauration, je proclame la guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur au nom puissant de Jésus. Je proclame la puissance de la restauration. Dieu tout puissant, merci de restaurer la vie de mon frère. Seigneur notre Dieu, je proclame la résurrection. Tout ce qui était détruit, tout ce qui était mort, reçoive la vie maintenant. Seigneur notre Dieu, tout ce qui était caché, tendre Père, soit retrouvé au nom de Jésus. Tout ce qui était perdu, soit maintenant retrouvé. Seigneur, éclaire éternel notre Dieu, que tout ce qui était perdu soit retrouvé, que tout ce qui était caché soit retrouvé au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci pour ta victoire. Je proclame la puissance de la restauration. Restaure nos vies, restaure nos familles, restaure le mariage, restaure tendre Père, le travail, restaure les finances, restaure les relations, restaure les ministères. Je proclame la puissance de la restauration. Au nom de Jésus, les dieux de la restauration, les dieux de la restauration, merci pour la puissance de la restauration. Au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Les dieux de la restauration, merci éternel notre Dieu de restaurer au nom puissant de Jésus. Merci tendre Père de restaurer. Merci puissant de Jacob de restaurer chaque détail et chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout puissant, merci. Merci grand roi de l'univers. Alléluia, tendre Père, merci. Tu es celui, n'est-ce pas? Alléluia, depuis la fin de toutes choses. Nous commençons avec toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons achever cette année avec toi. Et dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas, Seigneur notre Dieu? Je viens de commencer cette année avec toi. Dans le Seigneur, la Bible nous dit, mais au commencement, Dieu. Alléluia. Mais au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement, Dieu. C'est ce que Genèse 1, le verset 1 nous dit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Mais nous commençons avec Dieu. Tu vois, Seigneur, je veux commencer chaque chose avec toi et je veux aussi les terminer avec toi. Alléluia. Parce que la Bible dit clairement, béni dans le Seigneur, dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous voulons commencer chaque détail, chaque aspect. Alléluia. Nous voulons tout commencer avec toi et achever avec toi. Élève la voix, béni dans le Seigneur. Tendre Père, nous voulons commencer, c'est notre Dieu. Alléluia. Tous nos projets, c'est notre Dieu. Même nos journées, tendre Père, tout ce que nous faisons, nous voulons les commencer avec toi et l'achever aussi avec toi pour la gloire de ton Seigneur. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, les dieux de paix, les dieux d'amour. Nous voulons commencer avec toi et achever avec toi au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci, éternel notre Dieu, pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci, puissant de Jacob, pour ton amour et pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur, merci cher Saint-Esprit de commencer aussi ce programme de prière avec nous et d'achever avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci Saint-Esprit d'achever ce programme avec nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons bien-aimés prier pour les personnes malades. Alléluia, bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, pour maman Fifi, papa Florent et pasteur Adama. Bien-aimés, nous allons bien-aimés prier pour maman Thérésine. Alléluia. Et bien-aimés, bien sûr, nous allons bien-aimés prier pour toutes les personnes qui sont malades. Bien-aimés, que Dieu se souvienne de toutes les personnes malades. Bien-aimés, que Dieu les touche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés. Prions pour les personnes malades. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous venons célébrer la grandeur de toi. Je proclame ta victoire éternelle, notre Dieu. Dans la vie de toutes les personnes malades, dans la vie de maman Fifi, je prie que tu touches maman Fifi dans sa santé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de toucher maman Fifi. Merci, tendre Père, de toucher Josiane dans sa santé. Au nom de Jésus. De toucher éternel Dieu Josiane. De toucher tendre Père Josie. De toucher éternel notre Dieu Jocelyne. Je proclame la puissance de la guérison. Au nom de Jésus. Merci, tendre Père, de guérir. De guérir, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de papa Florent, souviens-toi, tendre Père, alléluia, de Seigneur notre Dieu, de tous tes serviteurs qui sont malades, au nom de Jésus, nous te le recommandons. Souviens-toi, tendre Père, de maman Thérésine, je proclame la puissance de la guérison, de la restauration, au nom de Jésus. Souviens-toi, tendre Père, de toutes les personnes malades, je recommande, allez à ta grâce, Seigneur, merci de le toucher au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci, grand roi de l'univers. Seigneur, merci de toucher tous ceux qui sont malades. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.
Merci, Saint-Esprit. Commence, mes amis, merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour la vie. Saint-Esprit, merci d'avoir commencé avec nous, d'achever avec nous. Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, merci, alléluia. Merci pour le nouveau décollage. Merci pour l'envol. Merci, Saint-Esprit, pour le nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit, alléluia. Nous nous lèvons contre toute contre-attaque après ce temps de prière. Au nom de Jésus, que toute contre-attaque soit brisée, soit neutralisée. C'est notre Dieu. Je proclame la vie dans la vie de tes enfants. Je proclame la vie de Dieu. Je proclame la puissance de la délivrance et de la guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, l'éternel Dieu qui nous guérit. Merci pour la guérison, pour la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. L'amour de Dieu, le Père. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Reposez-vous bien. Encore une fois, une bonne année. Que le Saint-Esprit vous accompagne avec un nouvel envol pour cette année. Et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Dieu. Vous commencez avec Dieu, vous allez achever avec Dieu pour ce nouvel envol au nom de Dieu.